Eu nasci como católico. Minha mãe me levou primeiro ao contato religioso através do catolicismo. Et donc, moi, je suis né en tant que catholique. Ma mère, elle m'a donné un premier contact avec le monde religieux à travers le catholicisme. E o argumento maior que os católicos da minha religião usavam para que não tivéssemos reencarnado é porque eu não me lembrava do que havia vivido em outras vidas. Donc, le principal argument que les catholiques dans sa région utilisaient pour dire qu'il n'y a pas de réincarnation, c'est eh ben, on ne s'en souvient pas, on ne se rappelle pas ce qu'on a fait dans des vies passées. E eles diziam: se eu já vivi outras vidas, deveria me lembrar. Como me lembro do dia de ontem, como me lembro da semana passada, este era o maior argumento contra a reencarnação. Et donc, il disait, mais si j'ai déjà des vies passées, je devrais m'en souvenir. Comme je me souviens du jour d'hier, comme je me souviens du mois d'hier, c'était le plus grand argument qu'ils avaient contre l'idée de la réincarnation. Então, quando entrei para a doutrina espírita, esse assunto me precisava ser esclarecido. Qual a resposta que a doutrina espírita nos dava ou me dava sobre essa questão de eu não me lembrar, de eu ter esquecido o que fiz e vivi numa outra encarnação? Et donc, quand je suis arrivé dans le spiritisme, c'était donc un point pour lequel j'avais besoin d'informations. Je me disais, bah, tiens, si j'ai vécu des vies passées, pourquoi est-ce que j'ai oublié? E Allan Kardec se preocupou com essa resposta para nós. No Livro dos Espíritos, Kardec coloca uma frase assim no prolegômeno: o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Et donc, Allan Kardec, qui est la personne qui a codifié le spiritisme, qui a rassemblé toutes les informations de base dessus, s'est posé cette question, a offert des connaissances par rapport à ça, qui se trouvent dans l'introduction, dans les prolégomènes de ce livre, le Livre des Esprits, qui comprend vraiment la base de la philosophie spirit. E na questão de número 392, ele fez uma pergunta que é o tema da nossa palestra. Et donc, dans la question 392 du Livre des Esprits, il a fait une question aux esprits qui est le thème de cette conférence d'aujourd'hui. A pergunta é a seguinte: por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? Donc, la question est la suivante: pourquoi est-ce que l'esprit qui réincarne perd le souvenir de son passé? Ele não pergunta como, ele não pergunta quando, ele pergunta por quê, qual o objetivo, a intenção de Deus em nos bloquear a memória de uma outra vida. Por quê? Il ne demande pas quand, il ne demande pas comment est-ce qu'on a oublié, il demande pourquoi. Il se demande quel est l'objectif de cet oubli. Os espíritos que assistiam a Allan Kardec responderam o seguinte: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer. Et donc, les esprits qui assistaient à Allan Kardec pour répondre à ces questions ont répondu: l'homme ne peut ni ne doit tout savoir. Dieu veut que ce soit ainsi dans sa sagesse. Dever, poder e querer são três grandezas que didaticamente explicam o ser humano. Donc, devoir, pouvoir et savoir, ce sont trois verbes, trois enseignements qui expliquent beaucoup sur l'être humain. Quando eu falo de poder, de querer ou de dever, cada palavra corresponde a uma das nossas inteligências. A primeira delas é a inteligência cognitiva. Quand on parle de pouvoir, de devoir ou de vouloir, chacun de ces mots correspond à l'une de nos intelligences. La première, c'est l'intelligence cognitive. Eu penso se é bom, é mau, eu decido, eu escolho através da inteligência cognitiva. Esse é o dever. Devo fazer isto? Não devo? É bom ou mal? Essa é a inteligência cognitiva. Donc je pense, tiens, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois pas faire ça? J'utilise comme ça mon intelligence cognitive. L'idée de devoir, est-ce que je dois ou pas, c'est utiliser la partie de notre intelligence cognitive. Então, quando de
os espíritos respondem para nós que nós não podemos e não devemos, ele quer dizer, não há em nós, por estarmos num corpo físico, a capacidade de lembrar. Há uma explicação física, científica, que me bloqueia lembrar. Et donc, quand les esprits disent qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas, il y a aussi une partie physique. Il y a une impossibilité due à un problème physique de se rappeler quelque chose qui vient d'avant. Imaginem, por exemplo, para entender melhor essas inteligências, que eu, passeando num shopping, vejo numa vitrine um sapato que eu me apaixono por ele. Donc, on va prendre une petite métaphore pour expliquer ça. Imaginez qu'on est en train de faire du shopping et qu'on voit dans une vitrine une paire de chaussures qu'on adore. Esse sentimento é a minha inteligência emocional, é uma emoção de querer aquilo. Donc, le sentiment qu'on a pour cette paire de chaussures, c'est notre intelligence émotionnelle, c'est le sentiment de vouloir quelque chose. A minha inteligência cognitiva vai me perguntar: não está custando muito caro? Você deveria gastar esse dinheiro? Donc, mon intelligence cognitive va intervenir et va dire: ok, mais est-ce que cette paire de chaussures elle coûte pas vraiment cher? Est-ce qu'on devrait acheter ou pas cette chaussure? E há uma terceira inteligência que é a volitiva, que é como se fosse uma subordinada dessas duas, esperando a decisão. Bom, vamos entrar e comprar ou não vamos comprar? É a capacidade de movimentar as pernas até lá. Donc il y a une troisième intelligence qui est subordonnée aux deux premières, qui est l'intelligence volitive, du mouvement. C'est celle qui attend de se dire, bah, ok, on y va ou on n'y va pas. Est-ce qu'on bouge, on marche jusque dans ce magasin pour acheter cette paire de chaussures? Eu estou repetindo essa parte porque o Livro dos Espíritos respondeu sobre essas três inteligências para nós. O homem não pode, ele não tem a volitiva, ele não deve, ele não tem a volitiva, no caso, a cognitiva agora, e não quer é a participação de Deus. Deus não quer que passemos pelas consequências dessa lembrança. Então, há essas três inteligências que intervêm. Há uma parte de capacidade, on ne sait pas, on n'a pas le moyen de s'en souvenir. Il y a une partie de l'intelligence cognitive qui est on ne devrait pas s'en souvenir, et puis il y a une partie qui est d'une autre entité qui est de Dieu, qui est Dieu ne veut pas, ne souhaite pas qu'on puisse s'en souvenir. Para um ser humano ter paz de consciência, paz no seu coração, essas três inteligências precisam se harmonizar. Se eu quiser uma coisa e não posso fazer, eu me entristeço. Donc pour qu'on soit bien, pour qu'on ait une certaine paix dans notre cœur, on a besoin que ces trois intelligences soient en accord, puissent fonctionner ensemble. Parce que si je veux profondément quelque chose, mais que je ne peux pas l'avoir, ça crée un mal-être. O esquecimento do passado, então, é a possibilidade que Deus cria para nos manter nesta harmonia do poder, do querer e do dever. Et donc, l'oubli du passé, ça permet de développer ce bien-être, de créer une harmonie entre ces trois intelligences, entre le pouvoir, le devoir et le vouloir. Os espíritos continuam dizendo assim: sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Donc, la réponse à la question continue en disant: sans le voile qui cache certaines choses, il serait ébloui, comme celui qui, sans aucune transition, passe de l'ombre totale vers la clarté. Veja que ele fala: certas coisas. Nós temos um bloqueio do passado, da relação social que tivemos, mas a minha moral, o meu aprendizado não foi esquecido. Eu trouxe essa sabedoria comigo. Donc c'est très intéressant parce que dans la réponse, il parle de certaines choses. On va avoir un oubli de choses, notamment les relations qu'on a vécues avec les gens qui nous entourent dans le passé,
mais on n'aura pas tout oublié. Il y a certaines valeurs morales, il y a certains enseignements, certains apprentissages qui restent instinctivement en nous. E talvez a frase mais importante da resposta é esta: esquecido do seu passado, o homem é mais ele mesmo. Et donc, la dernière phrase de cette réponse est très intéressante. Elle nous dit que en oubliant son passé, l'homme peut être beaucoup plus lui-même. Eu entendo essa frase como sendo assim: vamos imaginar que o Regis me deve alguma coisa de uma outra existência. Et donc, on va expliquer cette dernière phrase en imaginant que moi, je dois quelque chose à Tato d'une vie passée. E ele não está com vontade de estar aqui agora fazendo a tradução para mim, mas por obrigação ele vem atender essa necessidade. Et donc, on imagine que j'ai pas du tout envie d'être là à faire cette traduction. Mais que parce que je lui dois un truc d'une vie passée, je viens par obligation, par nécessité. Isso tornaria ele não mais ele mesmo, e sim alguém que está forçado a fazer algo por essa lembrança que no momento atrapalha. Et donc ça ferait que moi je ne serais pas tout à fait moi-même. Je serais un peu forcé à cause d'un souvenir qui m'empêche de faire ce que je veux dans le présent. Baseado nessa informação, eu acredito que o Regis é um bom homem, porque ele não se lembra de nada e está aqui com um bom coração me ajudando. Então, se on prend cette information comme ça, Tato croit que je suis quelqu'un de bien, parce que comme je me rappelle de rien, je viens ici naturellement sans être forcé. Ele é mais ele mesmo. Ele não está constrangido a fazer algo por um passado, e ele faz talvez por amor. Et donc ça me permet d'être plus moi-même et de pas me sentir obligé, forcé de faire quelque chose à cause de mon passé. Je peux venir ici par bonne volonté ou par amour. Si eu lembrasse o que fui para vocês numa outra vida, poderia agora estar aqui com o coração de pagar uma dívida, pagar um débito, sem o mérito de estar aqui por amor à doutrina. Por amor a vocês, pela causa maior. Et donc, si je me rappelais de tout ce qui s'est passé dans notre passé, des difficultés, des dettes, etc., je pourrais venir ici dans l'idée de payer quelque chose, dans l'idée de rembourser quelque chose. Alors qu'avec l'oubli, je peux être ici simplement par amour, par envie de transmettre quelque chose, par amour pour cette philosophie et pour vous aider. Comme eu não me lembro dessa obrigação, dessa necessidade, talvez eu atue mais por mim mesmo, pelas decisões deste momento atual e não movido pelo meu passado. Donc comme je me rappelle pas de mon passé, je peux agir beaucoup plus en étant moi-même et pas obligé, forcé à cause de mon passé, de mes décisions du passé. E como eu estou aqui com sinceridade, de boa vontade e amor, eu acredito que assim como Regis, eu também sou um homem bom. Et donc comme je viens ici avec bonne volonté, avec amour, je peux croire spontanément que je suis quelqu'un de bien. E Deus, nosso Pai, na infinita bondade, permite que mesmo equivocado eu pense assim. Et donc Dieu, notre Père, dans son infinie bonté, permet que même si en quelque sorte je me trompe, je peux penser ainsi. Na questão seguinte, agora 393, a resposta dela traz essa informação. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal. Et donc, la question suivante parle du même sujet, la 393. Et explique que dans chaque nouvelle existence, l'homme dispose de plus d'intelligence pour mieux distinguer et arrive à mieux distinguer le bien du mal. Então, aquelas três inteligências da pergunta anterior se aprimoraram, mesmo eu esquecendo o meu passado. Deus não zerou-me moralmente. Ele só dificulta a lembrança das relações sociais, mas a inteligência melhora a cada encarnação. Et donc, avec ces trois intelligences qui étaient là dans le passé,
j'arrive à nouveau dans cette nouvelle vie. Parce que Dieu, en nous faisant nous réincarner, ne remet pas tous les compteurs à zéro. Il va seulement rendre plus difficile le souvenir des relations et des choses qui se sont passées, mais l'intelligence, par exemple, elle continue à évoluer, continue à être à avancer. Aí ele faz uma pergunta: onde estaria o seu mérito se o homem se lembrasse de todo o passado? Esse mérito é o que nós falamos. Eu quero agir pelo bem porque sinto-me bem, acredito que é o correto e não constrangido por uma situação anterior. Então, l'esprit pose lui-même une question en disant: où est-ce que serait le mérite si on se souvenait de tout notre passé? On peut agir par volonté du bien parce qu'on a oublié. On peut agir par bonne volonté parce qu'on a oublié le passé. Il n'y aurait pas de mérite si on se rappelait des difficultés qu'on a eues ou des défauts, des conflits qu'on a eus. A explicação para nós entendermos sobre o esquecimento precisa se conhecer o contexto da nossa vida, o processo de evolução de nascer e morrer sucessivamente até chegarmos à condição de Jesus, de plena pureza. Et donc, pour pouvoir expliquer ce souvenir des vies passées, on doit comprendre tout le processus de réincarnation. Le processus de naître, de vivre, de mourir, de renaître, jusqu'à ce qu'on arrive à une évolution comme celle de Jésus, d'être complètement évolué. A resposta é longa, mas em resumo ele quer dizer o seguinte: que antes de reencarnarmos, eu escolho, junto do meu mentor, de Deus, de Jesus, as experiências que eu vou passar, em qual país vou nascer, filho de quais pais, quais defeitos ou dificuldades eu vou trazer no meu corpo físico. Et donc, cette réincarnation, avant d'arriver ici, on va la préparer. On va choisir quelles vont être les épreuves qu'on va vivre dans cette vie. Quels vont être les parents qu'on va avoir, les relations qu'on aura, mais aussi quels vont être les défauts que notre corps physique va avoir en arrivant sur Terre. Mas depois de feito todo esse preparo, esse combinado, essa escolha, se eu nascer lembrando, me forçará a atender por obrigação e Deus não quer isso. Et donc, après avoir fait toute cette préparation, toute cette planification, si on réincarnait en se souvenant, on serait vraiment contraint, on agirait forcé. Et Dieu ne veut pas ça. Então, para que eu lembre se deveria vir à Bélgica, à Bruxelas, fazer uma palestra sem receber nada, e eu me lembrasse que combinei isso antes de nascer, tiraria o meu mérito, se é que há algum, de eu me esforçar para não estar no consultório como dentista trabalhando e vir aqui trazer a mensagem. O mérito está em eu não me lembrar. Et donc, si je me souvenais que je m'étais engagé à donner des conférences à... Et au pays, on m'a pas... J'ai perdu une partie. Donc, si je me rappelais que je m'étais engagé à venir donner des conférences, je n'aurais pas de mérite à venir ici sans aucun bénéfice financier ou autre. Je viendrais forcé et il n'y aurait pas de mérite à ça, alors que je pourrais être dans mon cabinet de dentiste à soigner des gens et à gagner ma vie. Voilà. Un autre exemple. Imaginez nós, papais ou mamães, com dois filhos que brigaram entre si. Et donc, un autre exemple. Imaginons maintenant qu'on est parents, par exemple, avec deux enfants qui ont eu des graves conflits entre eux. E o pai quer que os filhos façam as pazes. Um deles aceita, com o coração sincero, fazer as pazes com o irmão, mas o outro não aceita. Então, imaginons, os enfants ont eu un conflit, le papa essaye de les réconcilier, il les motive à ça, il y a un des deux enfants qui accepte, en disant: ah oui, sincèrement, je veux faire la paix, et l'autre enfant, il veut pas du tout. E então, o pai fala para o filho que não quer: se você não fizer as pazes, não der um abraço, você voltará para o castigo. Você voltará para uma situação que você não gosta. Et le père dit à l'enfant qui veut pas pardonner: si tu fais pas la paix avec ton frère, si tu le serres par la main,
Tu vas être puni, quoi. Tu vas te retrouver de nouveau dans une situation que tu n'aimes pas, une situation désagréable. E então aquele filho se lembra: ah, eu estava num lugar sem brincadeira, eu estava num lugar sem meus amigos, eu não quero isso. Então vou fazer as pazes com meu irmão, porque senão o meu pai me castigará. Et donc l'enfant se rappelle et se dit: ah non, je vais être dans un endroit où il y a aucun jouet, je vais être dans un endroit où il y a pas mes amis. Je n'ai pas du tout envie de ça, donc je vais faire la paix avec mon frère parce que j'ai juste pas envie d'être puni, quoi. E então esse filho concorda em fazer as pazes. Ele não tem o mesmo mérito que aquele outro. Ele foi coagido a fazer. Deus, na infinita bondade, não quer que percamos o mérito quando fizermos o bem. Et donc quand on a ces deux enfants, ils ont pas du tout tous les deux le même mérite. L'enfant qui a pardonné spontanément a beaucoup plus de mérite que celui qui a été poussé à le faire. C'est pas sa responsabilité, il a vraiment été, entre guillemets, forcé. Et Dieu, en tant que père, ne veut pas ça, il veut qu'on garde notre mérite. Muitos de nós também vai ter a curiosidade de saber quem fui em outra encarnação. O que fiz? Eu era do bem, do mal? Quem fui eu? Donc beaucoup d'entre nous, on va avoir cette curiosité. Qui est-ce qu'on a été dans le passé? Qui est-ce que j'ai été dans le passé? Est-ce que j'ai été quelqu'un de bien? Est-ce que j'ai été quelqu'un de mal? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie passée? On a cette curiosité, quoi. Allan Kardec diz que para você saber disso, basta analisar as suas tendências atuais. Ele diz: as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do passado. Donc Allan Kardec explique que pour savoir ça, il suffit d'analyser nos tendances actuelles, nos caractéristiques actuelles. Il dit que nos tendances instinctives sont vraiment un rappel du passé. Para saber então o que fiz, o que sou agora, o que fui, basta perceber agora o que sou, o que gosto, o que me atrai, o que faço quando ninguém está me olhando. O que olho na internet sozinho, isso provavelmente revelará o meu passado sem tirar meu mérito e sem me ferir. Et donc, comment savoir qui on était dans le passé? Il suffit de regarder nos tendances instinctives. Qu'est-ce qu'on fait spontanément? Qu'est-ce qu'on fait quand on est tout seul? Qu'est-ce qu'on pense ou qu'est-ce qu'on fait qu'on n'oserait dire à personne? Ces éléments-là vont nous permettre d'avoir des connaissances sur qui on a été par le passé. Kardec conta para nós que com a nossa evolução, esse esquecimento não será tão forte e poderemos lembrar mais facilmente, sem grandes consequências do passado. Donc Allan Kardec explique qu'avec l'évolution, cet oubli sera moins fort qu'aujourd'hui. On va pouvoir se rappeler plus facilement notre passé quand nous serons des êtres plus évolués. Quando eu era estudante e prestava vestibular, uma vez fui prestar uma prova em outra cidade e perdi hora porque estava com muito trânsito e o portão estava fechado, eu não pude fazer a prova. Et donc quand je terminais mes études et que je passais mes examens, j'ai dû faire certains examens dans une autre ville et il y avait beaucoup d'embouteillages et quand je suis arrivé, les portes de la salle d'examen étaient fermées et j'ai pas pu passer le test. Eu fiquei muito triste. Não poderia lembrar deste dia porque eu chorava e eu não conseguia concentração para estudar para o ano que vem, entrar mais cedo e fazer a prova. Et donc c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a rendu très triste. Je pouvais pas penser à cet événement sans pleurer, j'arrivais pas à me concentrer pour étudier, pour réussir l'année suivante à pouvoir passer ce test en arrivant plus tôt. Hoje, posso contar para vocês essa história e dar uma risada no final. Aujourd'hui, c'est quelque chose, je peux vous raconter cette histoire et rigoler à la fin. Por quê? Porque eu já domino essa lembrança. Ela não me machuca mais. Eu já prestei outra prova e passou aquele passado. Pourquoi? Parce que maintenant je domine ce souvenir. C'est plus quelque chose qui me blesse. J'ai déjà repassé cet examen, je l'ai réussi. Voilà, c'est plus quelque chose qui est si fort et si blessant pour moi. Mas se eu não tivesse essa evolução da percepção, era melhor que eu conseguisse estudar, não me lembrar desse dia.
Mais si j'avais pas pu faire cette évolution, si j'avais pas pu arriver jusqu'à ce point, c'était mieux que je me souvienne pas trop de ce truc pour pouvoir réussir à étudier à nouveau. Na própria existência física, muitas coisas que nos traumatizam profundamente, nosso cérebro físico nos impede de lembrar para que não fiquemos traumatizados no nosso dia a dia. Ça arrive beaucoup dans la vie physique que quand il y a des choses très traumatisantes, notre cerveau fait un espèce de blocage, nous empêche de nous en souvenir pour que ça ne soit pas trop handicapant dans notre vie quotidienne. Por isso que Deus impede que nós não lembremos. Nesse caso é, o homem não deve lembrar de tudo, porque nos machucaria profundamente saber o que fizemos, nos envergonharia ou exaltaria o meu orgulho. Et donc, c'est pour cela que Dieu ne veut pas qu'on se souvienne du passé. C'est vraiment le côté on ne devrait pas, parce que ça pourrait être très traumatisant, ça serait très traumatisant. Ça causerait beaucoup de gêne par rapport à des choses qu'on a faites ou ça pourrait augmenter très très fort notre orgueil. Commentário de Allan Kardec. Gravíssimos inconvenientes teria se nos lembrássemos das existências das nossas individualidades anteriores. Et donc, Allan Kardec commente toujours dans ses questions, il y aurait des inconvénients gravissimes si on pouvait se souvenir de nos existences antérieures. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros casos, exaltaria o orgulho. Dans certains cas, ça nous humilierait de manière incroyable. Et dans d'autres cas, ça exalterait notre orgueil. Peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Et ça bloquerait, par conséquence, notre libre-arbitre, notre capacité de choix. Por isso, sem a lembrança do passado, o homem é mais ele mesmo. Nós agimos pelo nosso ideal, pela nossa consciência, sem estar forçada a essa situação. Et donc c'est pour ça que grâce à cet oubli du passé, on peut agir plus en étant nous-mêmes, plus en étant libre de faire nos choix, plus avec nos valeurs morales et nos idées. Então dessa primeira parte, a grande inteligência de Deus e amor em nos proteger da lembrança do passado é para proteger nossas relações sociais. O que fui para vocês, quem eu convivi e prejudiquei, essa é a ideia primeira, não interferir no nosso mérito e proteger as relações sociais. Então, l'intelligence, la grande intelligence de Dieu et l'amour, c'est vraiment nous protéger avec cet oubli. De protéger nos relations sociales, de pouvoir ne pas savoir qui j'ai connu, à qui j'ai fait du mal, à qui je dois quelque chose, et protéger ainsi notre liberté de choix. Scientifiquement, il y a une manière de se prouver que nous já vivemos outra vida et que, às vezes, é interessante lembrarmos algumas coisas. Donc, scientifiquement, il y a des moyens de prouver qu'on a déjà vécu des vies passées et que dans certains cas, ça peut être intéressant de se rappeler de petites parties. Eu trouxe um exemplo de um livro, que é este aqui, 20 casos de reencarnação, de médico canadense chamado Dr. Ian Stevenson. Et donc, j'ai ramené l'exemple d'un livre qui s'appelle 20 cas de réincarnation, je ne suis pas sûr de la traduction, d'un docteur canadien qui s'appelle Ian Stevenson. E ele ouvia crianças relatando vidas anteriores de uma maneira que, ao verificar as informações, encontravam os fatos. Et donc, il relate le cas d'enfants qui racontent leur vie passée. Et donc, dans ces cas, ils ont été vérifiés les faits que les enfants racontaient et les faits correspondaient à ce que les enfants expliquaient. E praticamente todos os casos que as crianças contaram histórias particulares, os pais, o doutor, poderia perceber que no comportamento atual dela trazia reminiscências, ligações com essa lembrança, esse fato principal da vida dela. E donc, dans tous ces cas, ce que pouvait observer le docteur, ce que pouvaient observer les parents, c'est que les enfants avaient des souvenirs, des liens forts
dans leur comportement par rapport à ce qu'il y avait, à ce qui s'était passé dans le passé. Mas ao mesmo tempo, essas lembranças perturbavam bastante as crianças e que graças a Deus, todas elas, 100% próximo aos 7 anos, esqueciam de tudo que haviam contado. Et donc, il a aussi pu percevoir que ces souvenirs perturbaient gravement les enfants. Et que, grâce à Dieu, 100% de ces enfants, donc tous, ont fini par oublier ce passé, plus ou moins à l'époque de 7 ans. Por isso, se vocês tiverem em casa filhos que lembram coisas, ou que veem amigos espirituais, não tratem isso como uma anomalia. Deixa que eles lembrem que naturalmente a providência vai esquecê-los na hora correta. Então, se vocês têm des enfants que à la maison se souviennent de choses de leur passé ou voient des amis invisibles, des esprits, faut pas traiter ça comme quelque chose d'incroyable ou d'anormal parce que naturellement ça va disparaître, ils vont oublier. La providence divine fait en sorte que ça ne les bloque pas. Neste livro de ciência, ele comenta isso, que aos 7 anos de idade, 6,5, 7 anos, todas as crianças esqueciam. E Emmanuel, no livro O Consolador, já havia explicado essa idade e o porquê desse fato ser apagado da memória. Então, todos esses enfants ont, aos alentours de 7 ans, complètement oublié leur passé. Et l'esprit Emmanuel, dans le livre Le Consolateur, expliquait déjà pourquoi est-ce qu'à cette période des 7 ans, cela arrivait. Emmanuel commente ainsi, no livre Le Consolateur, « Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. » Et donc, Emmanuel explique que jusqu'aux 7 ans, l'esprit se trouve dans une phase d'adaptation à sa nouvelle existence qu'il doit remplir dans ce monde. Oh, Emmanuel, também entendi a palavra. Emmanuel. E ele continua. Ok, il dit qu'il a compris un mot en français, Emmanuel. Nesta idade, ainda não existe uma integração perfeita entre o espírito e a matéria orgânica. Et donc, il explique qu'à cet âge, il n'existe pas encore une intégration parfaite entre l'esprit et la matière organique. Suas recordações do plano anterior, do plano espiritual, são mais vivas, tornando-se mais suscetíveis de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Et donc ces souvenirs du plan spirituel sont pour cela plus vifs et le rend plus susceptible de renouveler son caractère et d'établir un nouveau chemin. Na consolidação dos princípios de responsabilidade se encontra nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Donc dans la consolidation des principes de responsabilité, il va trouver dans ses parents des représentants de l'ensemble de la famille. Isso é muito explicado. Kardec pergunta por que um espírito passava outra vez pelo estado de infância. Às vezes Einstein, por exemplo, um gênio, vai nascer de novo, não vai nascer adulto, vai nascer criança, aprender matemática, aprender... Por que Kardec se interessa por isso? Kardec pose aussi la question, pourquoi est-ce qu'on doit repasser par le stade de l'enfance? Par exemple, quelqu'un qui est un génie, qui a déjà développé son intelligence, ses connaissances très très fort, va réincarner, va repasser par le stade de l'enfance où il ne comprend rien, il ne connaît rien, et doit de nouveau faire des cours de mathématiques, tout apprendre pour continuer. A resposta é porque nesta fase de criança, ele ainda não está tão vinculado ao passado, ele está mais suscetível a novo ensinamento daquele que está responsável pela sua educação. Et donc, il dit que à ce moment-là de l'enfance, l'esprit n'est plus autant lié à sa personnalité du passé. Il est beaucoup plus susceptible à des modifications qui lui permettent de prendre un nouveau chemin. Portanto, pais, mães, vô e vó, irmãos mais velhos,
Nós temos na criança um espírito imortal que precisa de orientação e Deus possibilita essa facilidade para nos ajudar. E o esquecimento do passado é mais uma prova da eficiência de Deus. E donc, pour tous ceux qui ont des enfants ou qui s'occupent d'enfants, les parents, les grands-parents, les oncles, etc., on a là, dans ces esprits qui sont plus jeunes, la possibilité de les mener, de les guider vers un meilleur chemin. Et Dieu, de nouveau, dans sa sagesse, rend ça possible, entre autres avec l'oubli du passé. Essa informação agora é mais para os que não são como nós, espíritas, que têm a tendência já de aceitar esse fato, mas para céticos, questionadores de Deus, uma prova da ciência de que um espírito viveu uma outra vida. Et donc la formation suivante, elle n'est pas spécialement pour ceux qui sont spirites, qui croient déjà en tout ça, qui acceptent déjà cette idée, mais pour ceux qui ont plutôt des doutes, qui ont besoin de preuves de l'existence de vie passée. A seguinte história. Um garoto chamado James, com 2 anos de idade, começou a ter pesadelos terríveis de um acidente de avião que havia acontecido com ele. Et donc l'histoire est la suivante, donc c'est dans le même livre, un enfant appelé James, qui avait 2 ans, a commencé à avoir énormément de cauchemars sur un accident d'avion qui lui était arrivé. Contou aos pais que era piloto de avião e que seu avião levantara voo de um navio chamado Natoma. Et donc il a raconté à ses parents qu'il était pilote d'avion et qu'il a amené un vol levantou voo de um navio chamado Natoma. Sim, levantar, o que quer dizer? Ah, levantar é. Que ele decolou d'un navire que s'appelait Natoma. E contou também que foi abatido por japoneses em Iwo Jima e que tinha um amigo, também piloto, chamado Jack Larsen. Et donc, cet enfant de 2 ans a expliqué qu'il a été abattu par des Japonais au-dessus de l'île d'Iwo Jima et qu'il avait aussi sur le navire un ami qui s'appelait Jack Larsen. Dr. Jim Tucker, que é o sucessor de Ian Stevenson, foi pesquisar essa informação, foi atrás dessa história para ver se tinha algum sentido, porque podemos falar o que a gente quiser, mas se tiver fatos, fica a prova. Et donc le docteur Jim Tucker, qui est le successeur de la personne qui a écrit le livre, Ian Stevenson, s'est mis à la recherche des faits, a été voir dans l'histoire si les faits corroboraient, parce que on peut tous raconter n'importe quoi, mais par contre s'il y a des faits, ça devient intrigant. Na busca dos fatos, ele obteve a informação que existiu um navio chamado USS Natoma Bay, que estava estacionado no Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Et donc, il a fait des recherches et s'est rendu compte qu'il y avait un navire qui s'appelait l'USS Natoma Bay qui était stationné dans l'Océan Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que un único piloto neste avião foi abatido em Iwo Jima. Et qu'il n'y a qu'un seul pilote de cet avion qui a été abattu au-dessus de l'île d'Iwo Jima. E o acidente do avião aconteceu exatamente como James contou. Donc l'accident d'avion s'est passé exactement comme l'enfant, le petit James, racontait. Havia um outro piloto ao lado que se chamava Jack Larsen nesse mesmo episódio. Et donc il a aussi fait des recherches, il a vu qu'il y avait un autre pilote d'avion sur ce bateau qui s'appelait Jack Larsen. Isso prova para nós que não pode haver uma ilusão da cabeça de tantas pessoas sobre uma vida passada. No livro, temos 20 casos, mas mais de 2.000 crianças foram ouvidas relatando casos de lembranças muito específicas. Donc, on voit avec ces faits-là que ça peut pas être quelque chose que l'enfant a inventé. Et donc, dans ce livre, il y a 20 histoires du même genre qui sont racontées. Mais ils avaient repris les histoires d'environ plusieurs milliers d'enfants.
Isso mostra para mim que nós vivemos outras vidas, estamos aqui para melhorarmos moralmente e que o esquecimento do passado é a oportunidade que Deus dá de eu evoluir. Donc ça, ça prouve pour moi que on a eu un passé, qu'on a eu des vies passées et que on reçoit l'opportunité pour évoluer, d'oublier le passé. Numa pesquisa científica, ficou muito marcado a nossa infelicidade. 70% de nós vivem a vida com a cabeça no passado, nas histórias, na é algo que já passou. Donc, dans une autre recherche scientifique, pour voir à quel point on peut être dans une situation de mal-être, il y a à peu près 70% des personnes qui vivent dans le passé. Ils restent bloqués dans les événements passés, dans des trucs d'il y a longtemps, etc. 25% vivem o futuro. O que farei? Quando eu comprar uma casa? Quando eu me casar? Quando eu conseguir? 70% passado, 25% futuro. Donc 70% sont un peu bloqués dans le passé, 25% eux vivent tout le temps dans le futur. Ah, je vais acheter une maison, ah, quand je vais avoir ça, ah, quand j'aurai ça. Apenas 5% de nós vive o momento atual. Donc seulement 5% d'entre nous vivent dans le moment présent. Muitos de vocês, eu espero que não, estão loucos para ir embora da palestra. Et donc, il y a une partie d'entre vous, bah, j'espère que non, mais statistiquement, il y a une partie d'entre vous qui ont très envie de partir de cette conférence et de voir ce qu'ils vont faire après. Mas perceba, se quando você chegar nesse lugar que você quer tanto chegar, se você não vai querer ir embora de lá também. Mais essayez de vous demander, quand vous arriverez à cet endroit que vous voulez, dans lequel vous voulez aller maintenant, si quand vous serez là-bas, vous ne serez pas en train de vous dire « Ah, quand je serai parti de là ». Porque no fundo, você está fora desses 5% que vive a vida e no fundo você está querendo ir embora de você mesmo. Parce qu'au fond, quand on a ça, c'est qu'on n'est pas du tout dans les 5% qui vivent dans le monde présent, dans ceux qui veulent vivre dans le futur, qui veulent toujours aller en avant, fuir et en quelque sorte se fuir soi-même. E fiquem felizes que a palestra está no finalzinho. E soyez heureux parce qu'on arrive plus ou moins à la fin de la conférence. Eu só quero contar uma história que aconteceu com alguém que amo muito e respeito, acredito que vocês também. Foi o maior médium que o planeta já recebeu. Ele se chama Chico Xavier. Donc c'est l'histoire qui est arrivée à quelqu'un que j'aime beaucoup et peut-être pas mal d'entre vous aiment beaucoup aussi, que je respecte beaucoup. C'est le plus grand médium qui a été sur Terre, il s'appelle Chico Xavier. Para os mais jovens aqui, não sei, talvez vocês dois, não foi sempre que existia a internet. Et donc, pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être vous deux là-bas, internet n'a pas toujours existé. E teve uma época em que nem televisão existia. Et il y avait même une époque où il n'y avait même pas de télévision. Chico Xavier viveu nessa época que não existia praticamente televisão, não existia revista, não existia exposição da imagem como hoje. Donc Chico Xavier a vécu à cette époque-là où il y avait pratiquement pas encore tout à fait la télévision, pas encore tout à fait les revues comme aujourd'hui, où l'image n'était pas utilisée comme on l'utilise aujourd'hui. E ele já estava ficando famoso pelos livros que psicografava e que nós adoramos, amamos tanto. E ele était déjà devenu en train de devenir célèbre avec les livres qu'il psychographiait et que on aime tellement. Mas somente o nome Chico Xavier estava famoso. Não se tinha a imagem de quem era. Mais seulement son nom Chico Xavier était connu, il y avait pas vraiment d'image de qui il était. Chico Xavier morava numa pequena cidade do interior de Minas Gerais chamado Pedro Leopoldo. E Chico Xavier habitait dans une petite ville de l'état de Minas Gerais, au Brésil, qui s'appelait Pedro Leopoldo. E havia em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, uma pessoa que trabalhava numa loja de livros que vendia livros espíritas. Essa pessoa se chamava Aloísio.
Et dans la capitale de l'État de Belo Horizonte, dans la capitale Belo Horizonte de l'État de Minas Gerais, il y avait quelqu'un qui vendait des livres, notamment des livres de ce médium, qui s'appelait Aloysio. Qui s'appelait Aloysio. Qui s'appelait Aloysio. C'est que tu as forcé. E Aloysio sempre que recebia a visita de alguém de Pedro Leopoldo ou alguém que já havia falado que havia visto Chico Xavier, pedia encarecidamente: quando Chico vier a Belo Horizonte, traga-o aqui na loja, porque eu tenho imensa curiosidade de conhecê-lo, de dar um abraço nele. Et donc chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un qui avait connu de près ou de loin ou qui avait vu Chico Xavier, il disait: si un jour il vient dans cette ville, ramène-le ici parce que j'ai vraiment envie de le connaître et de le serrer dans mes bras. Não é que dia Chico Xavier vai a Belo Horizonte e entra na loja do Aloysio? Et donc un jour Chico Xavier il va dans la capitale à Belo Horizonte et il rentre dans ce magasin et rencontre Aloysio. Amigo que conhecia Chico e Aloysio diz assim para o Aloysio. Então, um amigo que conhecia os dois, que conhecia Chico e Aloysio, diz ao libraire: Chico, você não gosta? Perdão. Aloysio. Chico. Você não gostaria tanto de conhecer Chico Xavier? Então, ele diz ao libraire: Aloysio, tu aimes tellement vouloir connaître Chico Xavier? E Aloysio respondeu: sim. É uma das coisas que mais quero fazer na vida antes de morrer. Ele diz: oui, oui, c'est un des trucs que je veux plus faire dans cette vie avant de mourir. A pessoa fala assim: pois aqui está ele. Este é Chico Xavier. Et donc il fait comme ça, ben voilà, ça c'est Chico Xavier, c'est lui. Yeah. Aloysio olha para Chico. Et le libraire Aloysio il regarde par Chico et yeah. Pas e diz a literatura Ramiro Gama, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Et donc il lui dit la littérature Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, dans le livre des magnifiques histoires de Chico Xavier, de Ramiro Gama, que Aloysio vê homem tão mal vestido. Donc, dans ce livre, il raconte que Aloysio il a vu un homme tellement mal habillé, tão simples, tellement simple, tão insignificante, está escrito no livro, tellement insignifiant, d'après ce que le livre dit, que ele pronuncia uma frase muito forte, qu'il a dit une phrase très forte. A quem vocês querem enganar? Vous foutez de qui là? E ele diz: Quem dera você fosse Chico Xavier. Ele a dit: qui sait, t'es Chico Xavier, toi? O que vocês fariam se tivessem naquele corpo tão simples, tão mais vestido, e alguém duvidando que você é você? Et imaginez-vous, si vous étiez dans la même situation, vous êtes vous-même, tout simple, normal, et quelqu'un doute de qui vous êtes. Todo o trabalho que o Chico teve, toda obra, todo esforço negado por uma pessoa que simplesmente olhou para você e disse: quem dera esse fosse Chico Xavier, o que vocês fariam? Imaginez todo o trabalho que vous avez eu, todos os bouquins que vous avez écrit, todas as horas que vous avez passé, e quelqu'un que vous regarde juste e que diz: não, il n'y a aucune chance que c'est toi, quoi. Ça se voit, c'est pas possible. Pois vocês sabem o que o Chico respondeu? Est-ce que vous savez ce que Chico a répondu? Ele disse assim: é verdade, Aloysio. Quem dera eu fosse ele. Quem dera eu fosse Chico Xavier. Então ele disse: oui, oui, c'est vrai, Aloysio. Personne pourrait croire que je suis Chico Xavier. Personne pourrait croire ça. Essa história ilustra para mim que, graças a Deus, vocês podem ver aqui homem bem vestido. Homem que se arrumou para vir aqui hoje. Então, essa história, ela diz que, mostra que aujourd'hui vous pouvez voir quelqu'un qui est bien habillé, beaucoup de style, qui a fait un grand effort pour venir aujourd'hui. Je pensais até em usar isso aqui, ó. Il avait même pensé à mettre ce petit veston pour avoir l'air un peu plus stylé. Mas graças a Deus, vocês não veem quem está aqui dentro. O espírito atrasado.
encore heureux, vous ne voyez pas qui est ce qui est à l'intérieur du cœur, vous ne voyez pas l'esprit qui est encore très retardé. Então eu falo ao contrário do que o Chico falou para vocês. Quem dera eu fosse quem vocês esperassem para fazer essa palestra. Et donc moi je vais vous dire le contraire de ce que Chico Xavier a dit. Qui pourrait croire que je suis celui que vous attendez quand je donne cette conférence? Eu tenho quase certeza que se vocês soubessem quem está aqui, vocês não viriam hoje. Je suis quasi sûr que si vous saviez qui est là, vous ne seriez pas venu aujourd'hui. Mas graças a Deus, existe um processo que Deus criou na sua lei, chamado esquecimento do passado. Mas graças a Deus, il y a eu un processus que Dieu a créé dans ses lois, qui s'appelle l'oubli du passé. E que hoje me possibilita sair do Brasil, vir até aqui à Bélgica e falar para vocês como se eu estivesse encontrando vocês pela primeira vez. Qui me permet de partir du Brésil, d'arriver ici en Belgique et de vous parler comme si on s'était jamais vu de l'existence et qu'on se rencontrait pour la première fois. Como se eu nunca tivesse prejudicado ninguém. Comme si j'avais jamais fait de mal à l'un ou l'autre de vous. Como se eu nunca tivesse negado ajuda a alguém. Comme si jamais refusé d'aider l'un de vous. Por isso, para mim, o esquecimento do passado é a prova da misericórdia de Deus comigo. Donc pour ça, pour moi, l'oubli du passé, c'est la preuve de la bonté, de la miséricorde de Dieu envers moi. E que possibilita, mesmo não tendo tanto conhecimento, mesmo não merecendo, vir até aqui, ser recebido por vocês e receber esse carinho desse estudo que estamos fazendo. Et qui permet, même si je n'ai pas tellement de mérite, pas tellement de connaissances, de pouvoir venir ici, parler avec vous et recevoir votre attention et votre respect. Eu tenho comigo, pessoal, que quando nós vamos a uma padaria comprar uma torta de morango, je peux vous raconter que quand on va dans une boulangerie et qu'on achète une tarte à la fraise, é porque eu quero sentir gosto de morango representado numa torta. C'est parce qu'on a envie de goûter, d'avoir le goût de la fraise qui est dans cette tarte. Morango e fraise? Fraise. É. Uma fraise. Acho morango mais gostoso, mas fraise. Donc il trouve que le mot fraise est moins joli que le mot morango en português. E quando eu nasço mais uma vez para mais uma oportunidade de uma encarnação, é porque Deus sabe que eu quero sentir gosto de felicidade. E quando eu nais encore une fois avec l'oubli du passé dans une nouvelle réincarnation, c'est parce que Dieu sait que je veux encore sentir le goût du bonheur. Eu sei que tem muita torta de morango ruim. Je sais qu'il existe des tartes aux fraises qui sont vraiment dégueulasses. Que não tem nenhum gosto de morango. Qui goûte de fraise. Qui goûte même pas la fraise. Pas la fraise. Como tem muita vida triste, amarga, ruim, que não tem gosto de felicidade. Comme il y a beaucoup de vie amère, triste, difficile, qui n'ont aucun goût de bonheur. Mas tanto a torta quanto a vida somos nós mesmos que fazemos. Mais autant la tarte que notre vie, c'est nous-mêmes qui la faisons, qui la réalisons. Portanto, eu vou deixar para a gente terminar e ir embora o que eu acredito ser a minha definição de felicidade. E donc je vais laisser juste avant de partir, juste avant de terminer, ce que d'après moi est la définition du bonheur. Felicidade é toda vez que você está sentindo o gosto bom que a vida tem. E isso significa que é quando você quer estar no lugar que você está, dentro dos 5% de nós que vive a vida atual. Donc le bonheur, c'est quand on veut sentir le bon goût qu'a la vie, qu'on veut être à l'endroit où on est. C'est quand on est dans ces 5% des personnes qui veulent être dans l'instant présent. Que o tempo da nossa palestra tenha escoado sem que você tenha olhado no relógio muitas vezes. Que j'espère que le temps de cette causerie s'est passé sans que vous ayez à regarder votre horloge ou votre GSM trop souvent.
que a palestra tenha passado uma hora para vocês e pareceu que passou só 55 minutos. Que cette conférence qui a duré une heure pour vous n'est passée dans votre tête que 55 minutes. E se por acaso alguém viveu isto daí? E se par hasard quelqu'un d'entre vous a vécu cette expérience là maintenant? É porque você já sentiu o gosto de felicidade. C'est parce que vous avez senti un peu le goût du bonheur. O que Deus quer que façamos é não imaginar que o nosso passado de erros represente importância como lembranças atuais. Ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on sache, qu'on puisse comprendre que c'est pas tous ces souvenirs du passé, des vies passées, qu'ils aient pas autant d'importance que les souvenirs de maintenant. E também não ficar imaginando que a sua felicidade só chegará quando você estiver nesse lugar que você está querendo ir, ou com a casa que você vai comprar, ou com o futuro que você planeja que vai acontecer, e esse futuro quase certo nunca chegará. Mais aussi qu'on soit pas... Attends, répète chaque phrase, répète. Que você não tenha também somente projetos para o futuro, que a sua felicidade depende da casa, depende do futuro que você está querendo construir. Et qu'on soit pas aussi à 100% dans les projets du futur, que notre bonheur, qu'on se dise que notre bonheur dépend de cette idée qu'on a de l'avenir, de là où on a envie d'arriver, que ce soit acheter une maison, réussir un projet ou quelque chose comme ça. Portanto, fiquem felizes com o dia de hoje e não só o dia de ontem ou o dia de amanhã. Et donc, soyez heureux avec le jour d'aujourd'hui et pas seulement avec le jour d'hier ou le jour de demain. Fiquem felizes porque vocês moram na Bélgica e não em Paris ou no Brasil. Soyez heureux parce que vous vivez en Belgique et pas à Paris ou au Brésil. Fiquem felizes com esse palestrante mesmo e não com o que não veio. Soyez heureux avec le conférencier que vous avez maintenant et pas avec celui qui n'est pas venu. Com esse tradutor e não o que não está aqui. Avec ce traducteur-ci et pas celui qui n'est pas là. Porque eu sei que não existe feliciômetro, mas eu apostaria um bom dinheiro com vocês para medir como a minha felicidade está grande por ser vocês que estão aqui e não aqueles que não vieram. Je sais qu'il n'existe pas de bonheuromètre, de mesureur de bonheur, mais moi je trouve que mon bonheuromètre est assez élevé pour dire que je suis heureux que ce soit vous qui soyez venus aujourd'hui et pas tous ceux qui ne sont pas venus. E isso só é possível porque eu não estou querendo me lembrar do meu passado, do que fui e o que fiz para vocês. Nem projetando coisas para o futuro, que quando chegar virou presente. E como eu não vivo no presente, não chega nunca. E então isso é possível porque eu não estou bloqueado sobre des souvenirs do passado, de qu'est-ce qu'il y a eu avant. E eu não estou também bloqueado dans des idées do futuro. Qui quand elles arrivent deviennent présents, mais comme quand elles arrivent, je suis déjà dans le futur. C'est jamais le présent, ça arrive jamais. Que vocês encontrem a felicidade que vocês têm agora nessa vida, nessa oportunidade, no dia de hoje, com o que vocês têm em mãos. Que vous puissiez trouver le bonheur que vous avez maintenant dans cette vie, dans ce moment, dans ce moment-ci. Que vous sont accessibles aujourd'hui. Agora fala para mim, como que eu falo para eles assim? Muito obrigado, eu amo vocês. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, beleza, depois. Merci beaucoup, je vous aime énormément.